à quelques mètres, peut-être même derrière ce mur. Mademoiselle Fourreau. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va? Ouais. Bon. Bonsoir. C'est une vraie surprise. Vous avez vu l'accueil du public? Ah oui, oui, oui. Vous êtes en forme? Je vais juste vous dire une chose. Vraiment, je ne savais pas du tout. Je viens d'arriver. Et je ne sais pas ce qui m'attend. Mais c'est drôle. On aime aussi prévenir au dernier moment. Alors qu'on prépare la surprise, oui, oui. On joue cette carte. Ah, oui. C'est toujours un peu risqué. Vous aviez prévu de faire autre chose. Je vous ai envoyé un petit message vidéo. Je disais, bon, salut Fauve, on t'attend. Ah oui, la surprise. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? En fait, ce qui se passe, c'est que j'avais vraiment prévu une soirée couette parce que je n'avais pas beaucoup dormi cette nuit. Oui. Et là, en fait, tu te dis, ben non, en fait, il faut que tu y ailles. Parce qu'apparemment, c'est des gens que j'aime qui m'ont préparé une surprise. Ce qui est j'espère. Quand même... J'espère aussi. Ou alors, on est à côté de la plaque. Ah oui, j'espère. Non, mais du coup, ça va être super. J'ai hâte. J'ai un peu chaud. Vous aimez les surprises? Alors, j'adore les faire. Ah. Les recevoir, c'est un peu plus... Vous êtes plus pudique avec ça. Oui, oui, parce que je ne sais pas, c'est un truc... et puis, je n'ai pas souvent de surprises. Il y en a une pour vous ce soir. Rien que pour vous, ma chère Fauve. Merci. Je vous en prie. Il n'y aura pas de chorégraphie à faire. Prenez votre temps, installez-vous confortablement. Votre chanson secrète commence tout de suite. Non mais what? c'est long cette petite attente. Ah oui. Ah, mais vous savez, en fait. Ah, OK. C'est une petite torpeur, ça. Ah, mais oui. Non, j'ai hâte de découvrir. Je sais pas du tout, parce que c'est des gens qui sont proches qui m'ont fait ça. Les saligots. J'ai le cœur qui bat un peu, quand même. Oui. Mais tu sais, moi, j'aime bien contrôler les choses. Et là, je contrôle pas du tout. Mais c'est chouette. Je vais m'en rappeler. Merci. Mais qui se cache derrière? I don't want to talk about the things we've gone through. What? And though it's hurting me, now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. Oh,
inside, but I understand. You've come to shake my hand. Oh là là. Ah non, mais vous m'avez eu. Non, mais what? Pardon, mais je l'ai. Loïc Notet, Gwendal, Marie Métou. Oh là là. Merci aux danseurs. Alors toi, tu le savais depuis longtemps, et toi, je t'ai vu hier. Oh là là, les saligots. Et alors, vous avez bien fait d'accepter l'invitation. Ben, mille fois, mille fois. C'est mon ancien prof de danse, mes anciens, c'est mes premiers profs de danse au final. Ouais. Frédé Sandra Mozart, que j'ai pas vu depuis des lustres. Vous arrivez de Lyon? Budapest. Ah, waouh. Merci. Vous êtes arrivé spécialement de Budapest pour la surprise. Ben oui, je suis partout, je vous vois de partout, je regarde vos albums de famille. Quand on prépare l'émission, il y a eu trois étapes importantes de votre vie. Petite fille, vous apprenez vos premiers pas. Vos parents sont aussi très cool, très libres. Vous grandissez dans un espace naturel, à la campagne. Ouais, avec plein d'animaux. Avec plein d'animaux. Ensuite, vous êtes championne de danse latine. On a vu les images. Et ensuite, il y a eu Danse avec les stars. Bah, grâce à Fred et Sandra. Déjà. Fred et Sandra. Ouais. Voilà vos profs qui sont là. Loïc, c'est une chanson qui lui ressemble, à vous? Oui, je trouve, parce que moi, j'aime bien cette chanson et je trouve qu'elle te ressemble aussi parce que c'est une chanson qui est bourrée d'émotions. Et je te l'ai toujours dit, je trouve que t'es vraiment une artiste qui danse avec ses tripes, quoi. Et donc, je trouvais que ce morceau te correspondait parce qu'il y avait plein d'émotions et de sensibilité. Ça, je ne m'en rappelais pas. Hein. The winner takes it all, dit la chanson, Gendal. Oui, mais en fait, c'est vrai qu'elle correspond à Fauve et en même temps, elle correspond à Fauve quand on la connaît bien. C'est-à-dire qu'elle va toujours montrer cette image hyper positive, très solaire, très généreuse. Évidemment, elle cache pas sa sensibilité parce qu'elle le met vraiment au service des histoires Merci, qu'elle a racontées. mais effectivement, quand on voit son parcours, effectivement, c'est une fille qui s'est toujours battue. Sa prof de danse nous a raconté tout à l'heure que tant que ses pieds ne saignaient pas, elle ne s'arrêtait pas de danser. Et une fois, elle a saigné sur le plancher. C'est ça. Moi, je tiens quand même à dire une chose. En fait, c'est grâce aussi à Fred et Sandra parce que, tu sais, moi, je parle beaucoup de danse avec les histoires. Enfin, tu vois, il faut toujours raconter des choses, etc. Et ça vient d'eux. C'est lui qui a commencé à me parler de ça. J'avais 13 ans à l'époque et il me dit « Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que ton mouvement raconte? Tu te souviens de ça ?» Oui, et c'est toi, en fait. Et ça part de là, ce truc-là d'interprétation. C'est jamais gratuit. Il faut du sens, il faut exprimer. Il faut aller rendre l'invisible visible à travers le corps. Christophe Licata, vous connaissez bien Fauve. Vous avez partagé tellement de saisons ensemble. C'est quoi sa force? Sa force, ben, je pense qu'ils l'ont dit, c'est qu'elle danse avec son âme. C'est une artiste... incroyable et on l'aime pour ça et t'arrêtes jamais parce que merci mon chéri, c'est merci mon d'être meilleur l'artiste pote. Que tu es quoi, merci beaucoup. Et Samy, vous avez refait la chorégraphie, une partie de la chorégraphie qui vous a permis de gagner. C'était un bel hommage que je voulais lui rendre. Je pense que j'ai beaucoup à lui rendre de tout ce qu'elle a pu m'apporter. Elle m'a appris justement à me libérer, à se lâcher prise. Bah voilà, elle a pleuré, c'est bien. Merci infiniment, ma chère Fauve, d'avoir été là et d'avoir accepté notre surprise. Gwendal, à chaque fois que je vous vois, je me souviens de The Voice et quel chemin parcouru, puisque vous incarnez Sacha dans la 4e saison de Sam, tous les lundis soirs sur TF1. Vous aussi, vous avez plein de cordes à votre arc. C'était un plaisir. Merci infiniment, Loïc. Je vous souhaite de bonnes choses pour la suite. Christophe, Samy, merci Myrtille, merci Sidonie, merci Fauve. Le fauve se déchaîne et se lâche. Putain, alors là... On s'était dit, franchement, quand elle va aller voir, on va la perdre. Ah oui, c'est bah sûr. Oui. Ah, mais alors... Ça fait des années qu'on s'est pas vu. Mais ouais. Bah après, je vous ai sur Facebook, parce que ça fait des années qu'on s'est pas vu. Vous avez pas changé. Ah ouais, merci. Merci. Ah, t'es folle. Ah ouais, putain. Non, mais lunaire.